oui, Deus Ex. Avec cette ambiance jazzy à Paris. La nuit est torride. Même les soldats sont sexy. Mais arrêtez-moi ce délire, merde! Allez, on retourne au combat, faut arrêter la déconnade un moment. Mais où est-ce qu'ils sont allés chercher cette musique? C'est pas possible, c'est pas la musique d'origine. Elle a été... Non mais, réinterprétée, c'est pas possible. À la base, elle devait être du synthé, ils ont dû vraiment jouer du cuivre. C'est trop bizarre, je me souviens pas de ça, c'est trop bizarre! Merde, du coup, j'ai oublié de préparer mon Nostromo. Mon clavier additionnel du joueur. Ah oui, merde, il faut que je zigouille les... Oh là là, ça va être chaud. Cacao. Je vais distribuer des chocolats en pleine bouche. Attention, réflexe. Oh, ex aequo. Oh, ça démarre très fort. Oh non. Et la musique du drama. Oh putain, je sens que cette session va me rendre fou. Non, pitié. Merde. J'ai lâché mon arbre. Mais non. Non, je... Pourquoi j'ai rangé mon arme? Je sens qu'on va entendre 150 fois le piano. J'ai pas compris là. Ah merde. Mais c'est moi qui suis con. En fait je suis troublé dans mon... Ça fait quoi? Ça fait un petit paquet d'heures que j'ai pas joué. Mais j'ai déjà oublié. Mais oui, mais je fais n'importe quoi. Je fais un clic droit alors que je dois faire un clic gauche pour activer l'arme. Concentration. Merde. En fait mon premier essai là d'instinct il était très bon. Et là, je vais faire que de la merde pendant 15 essais. Non. Presque. Presque. J'en ai déjà buté un avec brio, donc ça va. T'as le réflexe de la sauvegarde, toi. C'est bien, ça va aller plus vite. Merde, j'ai tiré trop. Non, j'ai tiré trop. J'ai tiré sur le trottoir ou carrément dans la marée chaussée. Tu vas crever, mon salaud. Oh la vache, j'ai pris cher. J'ai pris cher, mais j'ai réussi. Finalement, je pensais que j'allais en chier davantage, mais non. Oui, donc c'est là où je peux sauvegarder, parce qu'il disait de me taper la procédure de... d'auto-réparation, je dis non. Non, je devrais garder mon arme en main. Attends, je désactive le... laser. Finalement, je les ai tous tués, je crois. Oh, Paris est à moi. Paris libéré. Oh. Non, t'as un chien, mais en fait, y'en a pas. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait ça, tiens. Oui, Paris est à moi. Oh, oh oui, les pigeons qui vont avec aussi. Quoi? What the fuck? On peut rentrer dans cette propriété des dents. Ah bah, mec, déjà. Attends, j'ai accès ou j'y ai pas? Non, j'ai aucun code, je crois. Merde, je dis merde.
place. Quoi? Place d'enfer. Place d'enfer. Rochereau. Ok. La place d'enfer, Rochereau. Quoi, c'est du français? Ah oui. Quoi? Ossement de l'ancien cimetière de la... Madeleine? De Magdeleine? Rue de la ville, évêque. Déposé en 1844 dans l'ossuaire de l'Ouest et transféré dans les catacombes en septembre 1858. Ah bah c'est ça les catacombes. Entrée des catacombes, ah bah oui. C'est là qu'ils sont. Oh mon dieu. Nous avons des choses. Ah oui merde, ça me fait penser, j'ai des poubelles à sortir moi ce soir. Heureusement que je fais un jeu où il y a des poubelles. Ça me rappelle que je dois sortir les poubelles ce soir. Oh mon dieu. Encore un passe-partout, je dis oui. Il y a un ivrogne qui est mort. Bah alors. Merde. C'est moche de mourir à Paris. À Paris, on y boit, on y vit. Oh merde. Ah c'était un rat, ça va. J'avais peur que ce soit un chat. Écoute, j'aurais pas gâché mes glos qui pue, j'ai dire. Qui coûte la peau du cul, mais y a pas une caisse explosive que je fasse péter l'entrée là? Parce que c'est pas une résistance infinie alors. Putain, il m'a fait peur ce con, heureusement qu'il travaille pour moi. Là aussi c'est une porte que je peux péter, donc je crois pas. Non. It's forbidden. Kinji Rareta. C'est interdit. Oh le petit prince de Paris. Oh le charme de Paris. Dis-toi les robots Vigi. Ah, c'est ça le terminal de sécurité. Bah putain, je l'avais pas vu. Ah si, je l'avais vu. Je sais plus. Si, je l'avais vu. De toute façon, on s'en fout, il bosse pour moi. Merde, mais il y a zéro explosif. Attends, je vais retourner de là d'où je viens. Ça me ferait vraiment suer de gâcher une glow. Y'a pas une caisse de TNT là dans les... Dans les couloirs de métro. Ah, bon de crédit, j'avais même pas vu, dis donc. Oh le con. Dans des cigarettes, j'en ai rien à foutre. Oh merde, pourquoi j'ai un couteau? J'ai rien à foutre du couteau, c'est des. C'est le soja lyophilisé que j'aurais dû. J'aurais dû collectionner pour me guérir gratos. Ah merde! J'ai pas mis le bon mode sur mon téléviseur. Ah si, j'ai mis le bon mode, merde! Bah je vois rien quand même. Dégueulasse, je vois rien du tout. Ah mon dieu. Je vais la ramener de loin la caisse explosive là.
Ah non, il y a la zone... Ah bah non, non, non. Non, bah je vais revenir en arrière. Ah non, 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 je me tape pas la zone radioactive. Bon, bah tant pis. Je vais faire l'usage de... passe-partout. Mais bah j'ai perdu mon temps, je me suis fait chier pour rien. Enfin, encore que non, j'ai récupéré un bon du crédit que j'avais oublié. Money is money. Quoi, cette musique, cette sirène, hein, c'était sens. C'est quoi ces sons? Alors, un coup, j'entends une sirène de police ou l'équivalent, mais il faut changer les piles. Maintenant, j'entends un train, le métro. Oh là là, c'est le bordel à Paris. Je sais plus ce que j'entends. Barrez-moi les pigeons. Faites place, j'arrive. Boyoul, c'est pour une cambriolage en règle. Quoi? What the fuck? Mais en fait, je sais même pas dans quel bâtiment je suis rentré, moi. Ah merde! Alarme! Alarme! Y'a un cambrioleur! Ah merde, je suis con, je pouvais passer par la porte. Ah bah voilà, soja lyophilisé. Je dis oui! Alors... Ah merde. Bon, ouais, j'allais dire, reste calmé, oui. Page Industrie, déconne pas. Je suis chez Page. Je reviendrai après. Oh putain, ça vaut le coup, c'est intéressant ça. Oh, les jumelles, je m'en fous. Il y a un bouquin à lire. Ah, par chocolaté. Alors, les pétales du crépuscule de Charles-François Guillermo. Et ils trouvaient ainsi son chemin dans la nuit à travers les rues, rampant pour échapper à la lumière de leurs fenêtres et s'accroupissant dans les jardins, empruntant les égouts sous leurs routes pavées et se faufilant entre leurs grilles. Surveillés par leurs chats et les pigeons perchés de leur ville, en faisant attention à leurs chiens endormis, il s'en alla. Il ne le verrait pas, ni se réveillerait pendant qu'il s'approcherait très près, mais il frissonnerait, murmurant doucement les noms de leurs dieux en rêvant. Leur sommeil agité, ils se retournèrent pendant qu'il passait sous la fenêtre comme un amant regagnant sa chambre à l'aube. Et lorsqu'elle vint, il s'en est allé.
Il s'en était allé, loin de là déjà, enfin parti pour un nouveau monde. Ah mon Dieu. C'est quoi ici? Ta gueule! On t'a rien demandé. Oh mon Dieu. On s'en fout! Infocube. François, l'opération de piratage s'est soldée par un succès sur toute la ligne. Tous les fonds que j'ai pu siphonner de la métropolitaine avant l'arrivée du gel ont été transférés sur un compte fantôme. 2221969, mot de passe Dubil. Nous pouvons informer les autres membres de la cellule de l'arrivée de ces fonds susceptibles d'être utilisés pour tout projet que le conseil du Désert jugera approprié. De leur sommeil, nous profiterons. Ah, c'est... Avalanche. Je confonds avec Final Fantasy VII. Non, merde, Silhouette. Alors attends, il y a un terminal à pirater dans Paris. C'était la porte là, d'accord, ok, je comprends mieux. Oui, bah j'ai bien fait de péter la vitre, hein. J'aurais pas utilisé de prout, de toute façon. Alors, de passe-partout. Putain, je suis déchaîné ce soir. Oui, cette cochonnerie, elle est déjà activée. Elle peut pas me faire chier. Distributeur bancaire. Distributeur bancaire. Distributeur bancaire. Terminal d'information. Oui, non, c'est toujours les mêmes trucs, je crois. Lisez-moi là, trouvez-moi là, trouvez-moi là. Alors, dites-moi tout. Alors, Dulbil, je vais réussir à le retenir. Mais le 222-1969. Alors. 222-1969. Il faut que je fasse Dulbil. Dulbil, il se fait de la bile, le Dudul. Oh, 200, oui! Ah oui! Ah oui, y a pas de violation, tiens. Oh! Zéro, oh merde. Oh merde. Attends. Je vais me garder le terminal là par défaut s'il n'y a rien dessus. Parce que si je trouve encore un compte à pirater. Oui, bah c'est ça. Attends, je vais recharger parce que. Au moins ça me fera encore un guichet à. À Piratex. Oh, allez, quoi, petite planète verte? Cybervite 99. Oh mon Dieu, je ne peux pas m'empêcher de regarder. Petite planète verte. Ils ont de l'humour, c'est génial. C'est trop drôle. Alors, Cybervite 99 à saveur d'orange. Toutes les vitamines pour votre augmentation. C'est pas français, augmentatione. C'est là où on dérive sur l'espéranto, là. Nouveau format, 1 kilo, oui. Enfin bon, on a compris. Oh, c'est pas mal fait, putain. Oh, stylé. C'est beau. C'est beau. Oh, du Nutella devenu Utellan. Ah, il est con. Des choses derrière chez Guy. La 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 la. Kai Kai Wai give up. Oh, ce piano me rend fou. J'adore les airs de piano, mais celui-là me rend fou. Mais c'est quoi ce. Il y a un bruit de vague comme si on était à la plage. On n'est pas au bord de la Seine là, c'est pas Paris plage.
Attends, je vais défoncer la gueule à Pêche Industrie avant d'aller voir mes copains de Silhouette. Je suis tellement content à l'idée de pouvoir leur casser la gueule. Ah oui, il y a ça. Il fallait que je remette en ordre le bordel. Alors, nanocode, code de l'entrepôt, bon du crédit 300, oui, infocube, rapport d'activité quotidien. Les nouvelles directives gouvernementales rendent quasiment impossible le travail de nuit. Les robots sous muets ne devraient s'attaquer qu'aux seuls terroristes fichés, mais je ne leur fais pas confiance. Ce n'est le cas de personne d'ailleurs. Ils rentrent tous au bercail une fois la nuit tombée. J'essaye de rester tard pour travailler, donc l'américaine de MIS m'a donné le mot de passe du système de sécurité. Erzelensley, Shadow Jack. Mais il est difficile d'avancer quand il n'y a personne dans les parages pour me renseigner. Ah merde, putain, j'ai le max d'écouteurs. Oh mon dieu, non. Oh, oh, je bois. Oula. Oula là. Oula, le vin, c'est... Ouah. Alors attends, je sauvegarde parce que si je me fais défoncer la gueule. Oui, non, j'ai besoin de rien en fait. J'ai besoin de rien. C'est quoi ça? Code du bureau ajouté au nanosélecteur. Oh merde, je pensais qu'il y allait avoir une suite. Oh, je suis déçu. C'est un entrepôt en fait qu'ils ont, c'est tout. Oh. Bon, bah je vais aller voir mes copains du groupe Silhouette là. Les terroristes. Pas les terroristes. C'est verrouillé, ouais, bah tu m'étonnes. Alors, Infocube, Chad, je suis descendu dans le tunnel pour essayer de trouver où les gens du gouvernement ont installé un magasin d'après votre check. Il va falloir faire très attention, même si je ne pense pas qu'il nous ait déjà remarqué. Bizarre. Bourré de flics, mais aussi des Américains. J'ai vaguement entendu certains d'entre eux converser comme s'ils travaillaient pour un groupe nommé MJ12. Je me demande ce que ça peut être. Bah, ça peut être que votre pire cauchemar, les gars. Il me les brise aussi, le MJ12. Le MJ12... Attends, je vais peut-être arrêter de courir comme un dératé. What? Non. Il est en train de me dire que j'aurais pu économiser deux passe-partout. Et encore. Si je suis chié... Attends, qui c'est qui me... Ah oui, alors là, attends, là je les emmerde. Alors, merde. Alors, attends. Excusez-moi, mais je me fais contacter et je suis pas content. Je suis perturbé dans ma tranquillité.
non, c'est pas cool. Alors, pas cool. Pas top. J'aurais préféré Ah merde, peinard avec mon ami demain. Ok, pas de soucis. Ah, sauf peut-être, une nourriture. Oh, c'était trop beau pour que ça dure, hein, comme on dit. Ah, ça me bouffe.
Ah, ça y est. Mais t'inquiète, je le préviens. Il ne devrait rien toucher de toute façon. Pas compris ton histoire d'ajouter à ton ami. Alors, la bonne combinaison à faire était la suivante. D'ailleurs... Ah non, j'avais tout, c'est vrai. Pas de conneries, c'est ça. Voilà, il me fait faire l'économie d'un passe-partout. Quoi, là je suis déchaîné. Non, j'avais rien loupé. Là j'ai un crochet en bonus s'il y a besoin. Là je peux m'amuser à péter la chaise. C'est de la merde. J'ai de la camelote. Eh ben voilà. Je vais faire l'économie de... Ah oui, je me disais aussi. Je comprenais plus. La 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 la. At the foot of these steps is the entrance to the catacombs, originally limestone quarries dating back to Roman times. Et les catacombs. Thank you.
Ah merde, j'ai encore un message. Oh là 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 là, mais je me fais harceler ce soir. Ah merci. C'est quoi ce bordel? Ah. Putain, j'ai l'impression de faire un vieux Wolfenstein. What? Ça craint les catacombes. Ah, y a une clé. Un cadavre de mécanicien. Mon dieu, le pauvre. Eh ben dis donc. Porte des catacombes. C'est la porte des catacombes. Ah, la porte là. Ah oui. C'est quoi ce... Toc toc. Non. Appali, diga 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 diga. Oh non. Il y a le MJ-12 qui a investi du catacombe. Oh chier. C'était trop beau. Moi qui voulais me promener. Puis c'est grand les catacombes à Paris. Touche pas au crâne. Le truc qui est... Indiana Jones. Quoi? Un passe-partout. Ça vaut le coup ou ça vaut le coup? Oh, cette musique. Chaussée au moine. Et là, le Saint Graal. Était à côté des chiottes du... Ah oui, j'étais végé d'un connaissant. What? Oh oh. Oh oh oh. Ça c'est moche. Merde. Loupé. Je l'ai loupé. Je crois que je vais recommencer. Je l'ai encore loupé. À la désamorcer. La parodie gratuite. Oh le nul. Oh là 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 là. Déjà, il faudrait peut-être que je sois dans l'axe vertical pour réussir à interagir avec déjà. Aurait du bon sens au niveau de mon mouvement. Voilà. Oui. Ah bon, en plus ça va la cour. Bon bah je me la réserve pour hein, pour la leur faire péter à la gueule. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est électrifié. C'est quoi ce bruit de bzzz 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 bzzz?
à la catacombe à Paris. You're entering one of the larger tombs. Almost 6 million exhumed bodies were moved to the catacombs as a health measure during the 1700s. Eh oui, la peste noire qui fit des ravages. Ou le massacre de la Saint-Barthélemy, je ne sais plus. Oh, peut-être les deux. Oh putain! Il m'a pas vu! Je me suis présenté à lui comme un gros con. Espéditoutou. Olbi et Olbi. D'ailleurs, comme je sais que j'ai une grenade qui m'attend en cadeau, je vais m'amuser à en prendre. Oh putain, ils sont nombreux, c'est con. Qu'est-ce qu'ils font? Hey, stop right there! Aim for the head. Quoi, du soja? Putain, je vais choper son déjeuner à ce con. Salaud. Oh, cette musique de drame, ça me rend fou. Ouais, allez, si j'ajoute bien, je me le fais gratos. J'avais oublié que j'avais la dent de dragon qui permet de faire aussi non à la Jedi. Ah. Ramène-toi. Oula. Oula. Action ninja. Action ninja. Je vais te frapper dans le dos, tu le croiras pas. You're close to the bunker where the silhouette has barricaded themselves. The leader's name is Chad. It looks too different than it does on my map. Some new construction. L'autre il me parle, je suis mort. Fais chier, ils ont l'inconvénient d'être deux. Oh merde. Ouais, bah je dois rejouer de l'aglo. Hein. De l'agglomération. De l'agglo de la vie. Contact. Oh merde. I've got a contact. Si les deux sont passés. Oh putain. Dommage. Ce qui est l'idée d'avoir les deux en même temps. C'est vraiment vachement tentant. Merde, qu'est-ce que je fais? Ah oui. Oh c'est bon ça. Putain ils fument encore les cons. Voilà une globe bien rentabilisée. Oh là là. Oh mon dieu.
Il y a tant de choses. Putain, il y a de la gnole dans les... Je sais pas où aller, tellement qu'il y a de trucs partout. Ça m'excite. You're close to the bunker where Silhouette has barricaded themselves. The leader's name is Chad. Strange. The area looks different than it does on my map. Some new construction. Maybe they've concealed themselves from Majestic 12. Ouais. Hein? Comique. Oh mon dieu. Ouais, attends. Je vais y aller juste après. Parce que dans les catacombes de Paris, il y a une autre intersection. J'aimerais bien l'exploiter, mes amours. S'il vous plaît. Oh. Oh, les vilains du Majestic 12 ont osé profaner cet endroit de leur présence. Oh. Alors c'est beau, mais un objet j'aurais aimé, je sais pas, ou une Bible, enfin une Bible. Oui, un livre sur l'histoire de Paris. Bon, ben voilà. Oui, bah. Quoi? Oh, en plus, c'est une porte. Ou alors, il y a une brique que j'ai pas vue. Alors. Quoi? Identification indispensable. Quoi? They don't follow you. Bah, vu comment je leur ai pété la gueule. You found the bunker. Oui, je sais, merci. Oh là là. Vous êtes super bien installés. How did you find us? C'est une longue histoire. We can't let them discover our hideout. We are surrounded. We don't have much time. Oui, bah, je vais vous aider à repousser le MJ-12 et à leur casser la gueule. C'est ma spécialité. Bonjour toi. They are holding our comrade's prison. Ah bah il va falloir m'indiquer où c'est que je les libère. Oh petit garçon. Who are you? I came to help. Majestic 12 took my mother prisoner. Where? Bunker 3. Chad has a key, but he says it's too dangerous to try to rescue her. I'm on my way to see Chad right now. Maybe I can change his mind. I'm afraid. Oui, je comprends ton gosse. They have backed us into a corner. The soldiers have occupied the entire city and now the tunnels too. Attends, mais attends. Putain, j'ai cru que j'allais revenir sur mes pas, mais pas du tout en fait. Mais les catacombes de Paris, c'est la folie quoi. Ah, c'est le... There's nothing we can do against augmented commandos. You found the bunker. Ouais, je suis content, merci. Je vous chip votre pause déjeuner, excusez-moi, mais j'ai besoin d'être en forme pour être un bon soldat. Ça va péter. Alors, je retourne là où j'en étais. Il y a là aussi. Il est pas... Ah, c'est la... Je veux dire, c'est la coucherie. Oh, j'ai qu'un journal. C'est leur chambre. Ah, et on peut passer par là aussi. Ah, bah, c'est le monsieur qui nous intéresse, je crois. Alors, journal. Les catacombes fermées au public, l'investigateur de Paris. Le gouvernement a annoncé aujourd'hui que les catacombes de Paris resteraient fermées jusqu'à nouvel ordre, évoquant l'augmentation de l'activité criminelle et de possibles présences terroristes sur la zone. Les catacombes étant devenues le havre de paix d'un certain nombre de personnes mal intentionnées, a déclaré l'inspecteur Gabilly de la police judiciaire. Et il nous faut prendre des mesures pour contenir cette menace grandissante contre la sécurité des honnêtes citoyens.
Les catacombes, qui ne sont qu'une partie d'un immense réseau souterrain s'étendant principalement sous les 5e, 6e et 14e arrondissements, sont à l'origine de grandes excavations creusées par les Romains pour s'emparer des dépôts de gypse et de calcaire de la capitale. Les catacombes elles-mêmes ne datent que de 1786, lorsque des ossements furent enlevés du cimetière surpeuplé des innocents pour être stockés dans les carrières de Montrouge. Depuis lors, de nombreux enterrements sont venus compléter le stock de macabre de ce gigantesque ossuaire. Les sections des catacombes accessibles au public ne sont qu'une petite partie de tout le réseau de tunnels. Les nombreuses entrées disséminées et dissimulées ici et là font un lieu de distraction très populaire des cataphiles souhaitant explorer le ventre historique de la capitale. Alors, inspection. Mais vous êtes fauché ? Vous n'avez plus rien, malheureux. Je chip votre bouffe. Ah. We are not prepared to fight a war. Oh. Je vais vous la faire, moi, votre guerre. À moi tout seul, je suis le soldat parfait. Je suis le soldat ultime. Alors, livre, table de Ryan, chapitre 1. Les broussailles poussiéreuses ont laissé place à la clairière tout aussi sale, des motifs de petites empreintes de pas étroites. Puis vint d'énormes battements d'ailes contrés par des plus petits, plus doux. Ryan s'assit au milieu des feuilles mortes de chêne et observa avidement. Ce fut ridicule, pensa-t-il, découvrant nos dents pointues. Malgré ma plus haute position dans la chaîne alimentaire, cela ne les empêche pas de voler sur mon territoire. Les oiseaux m'ont échappé. Il essaya d'imaginer ce qui pourrait être à leur goût. Du poulet serait le plus probable. Le grand avec un goût prononcé est délicieux. Rain se leva et courut vers sa tanière, frustré et creusant son long visage de sa queue. Il devait seulement en attraper un. Le soleil se leva deux fois avant qu'il ne voie à nouveau l'une de ces énormes bêtes volantes, mais ce fut différent cette fois. Il avait une queue fourchue et semblait partager la même nuance de couleur que la fourrure de Rain. Une fois repéré, un plan s'établit dans sa tête. Il regarda autour du sous-bois et espionna ce qui allait être sa proie, une toute petite queue touffue. Allez, chef I'm J.C. Denton. You might know my brother Paul. I helped him send your group a warning about the crackdown. Denton. Yes, the satellite transmission saved us from la prison de Fren, at least. Pretty much a skeleton crew you have here. How long can your people hold off MJ-12? We are not mercenaries. When the troopers moved into the crypts, half of my people retreated without firing a shot. Two of them took a wrong turn and were taken prisoner. Where? In Bunker 3, the tunnels behind the second blast door. Maybe I can help you out, in exchange for a small favor. I need to find Nicolette Duclair. Nicolette? What do you want with Nicolette? I need to contact some friends of her mother's. Oh yes, Beth, a great woman. Nicolette is very secretive about her mother's friends. She tells us that they are wealthy and support our cause, but they have many enemies and need to be protected. I might be able to help you, but I must be certain of your loyalty. You have a right to be cautious. Just point me to Bunker 3. I have the key to the blast door, which is directly across from our hideout. And a map you might find useful. Get my people back and I will put you in touch with Nicolette. Oh yeah. Merci ma couille. Oh, tu vas sûrement dire d'autres choses, Chet. It's unfortunate I cannot send someone with you. Sérieux? My people simply are not the best soldiers. Oui, d'accord. Mais c'est pas un raison pour te tourner le dos, c'est un poli, je sais que t'as froid. We train teams to wire buildings with C4. They go in at night to avoid confrontation. In a straight fight against commandos, they just don't have the equipment or expertise. I can't bear to imagine what methods of interrogation Majestic 12 will use on my people. Oh oui. Silhouette is not a military group. Our attacks are symbolic, intended to influence the public. We publicize certain things like the Statue of Liberty bombing. It's just so fitting that the American government will destroy the gift of freedom we gave your country almost 200 years ago and then try to blame it on us. The rhetoric in Washington has done more to defeat liberty than all of the armies and police forces in the world.
When government surveillance and intimidation is called freedom for terrorism or liberation for crime, freedom and liberty have become words without meanings. I know Majestic 12. When they have learned what they can, they will execute every last one of the prisoners. This war all around us is being fought over the very meanings of words. Just as Batkin described the novel as a competition between various languages, so we describe culture itself, which thrives upon convulsions and upheaval. Culture, by definition, a shared territory of meaning, inspires conflicts far more destructive than any dispute over territory on the Earth's surface. Meaning does not exist a priori. It is order imposed by individuals with arsenals of communication devices. Every inscription, every utterance, every gesture seeks to dominate the plane of meaning. Il en a des répliques. Real violence is only an extension of this process. In order to get our own message before the public, we too have been violent. We have even killed people. But it is the message, the communication event, that we target. Not a few human beings, or building, or an historical landmark. If you expect to help my people, you should get moving. Silhouette is not a military group. Our attacks are symbolic, intended to influence the public. Silhouette is not a military group. Our attacks are symbolic, intended to influence the public. Oh mon dieu. Bah, je reviendrai, donc avec un peu de chance, je me ferai l'armoire à ce moment-là. Nicolas Duclar. Aïe, me brûle. We can't let them discover our hideout. Oui, je sais. What if they kill her? Je vais faire en sorte que ça n'arrive pas, gamin. Alors, inspection pour vivre. Alors, je réquisitionne tout le soja. Vous allez crever de faim, mes salauds. Le soja, il sera à moi. Ouba, ouba. Les munitions aussi, aussi. We must assume the worst. Ouais, je me calme, j'arrête de courir. Oh merde, je vais prendre la porte massive dans la gueule. J'ai envie d'essayer un truc. Je me demande s'il y aurait pas le scarabée. Non, enfin s'il y aurait pas un objet sur le... Non, non tu peux pas. Je voulais essayer. Malin. Vous êtes vraiment des malins. Et là, j'ai pas compris. Parce qu'il y a un truc... Ah, c'est ça. Oh. Oh. Ça, c'est au Magic 10-12. Looks like a chance to take out a team of MJ-12 troopers. But choose your head. We don't want the hostages getting caught in the crossfire. Ok. Gluten, je sais plus quoi. Mais merde, je sais même plus d'où je viens là.
Ah, les catacombes, ça rend fou. Ah oui, je viens d'être là. Ok. Sûrement pas. C'est grand ouvert. Tu penses bien qu'ils ont investi les lieux. Si tu crois que je vais baisser ma garde. Oh tiens. Ah, j'aurais pas dit que c'était du MJ-12. T'es qui toi? Ah, t'es le prisonnier. Get out. I was here first. Sorry, just looking around. Aren't you afraid of the commandos? They better not come back here. I am not moving again. Right. You tell them that. At least I get away with something. Want a medkit? I stole 3. Or what about those poison darts? 600 for a medkit, 200 for the darts. They move me out to make room for military supplies. Plus tard. Maybe later. Okay, so you want to buy something? Non. Maybe later. Le mec, je le fais chier. L'autre, il a du Zyme à plus savoir quoi en foutre. Ah, les paniers en osier. Bon, je vais arrêter là. Je me fais ma petite heure de jeu plaisir en soirée. Je reprendrai dimanche. Je vais reprendre dimanche matin. Voilà. Hop. Et bah c'était bien.